Et zanmi m sa ka fèt. Mabdou, bienvini nan 4èm leson konjigason espanyol la. Kote m pral pale ou de de denye tan prezan ki egziste nan lang espanyol la ke ou dwe apren pou ka amelyore espanyol. Non pa m se lolo e misyon m se pou m ede ou amelyore espanyol. Sou ta mi apren pale espanyol tout bon vre, klike nan bouton rouj la pou abone e pi pabli aktive ti kloche notifikasyon pou YouTube ka toujou fò konen chak lem bibliye yon nouvo video. An komanse. Nan leson jodi a la, mbral pale ou de tan prezan ki egziste an espanyol. Mbral explike ou koman ou fonksyone e koman ou ka itilize ou lor pale nan vi kotidyan ou espanyol ou ka amelyore. Non selman sa, tou map montro koman moun yo kon itilize ou le a pale ou ka komprende. Paske komprehansyon li vini anvan pale a. Ou dwe komprende pou ki rezon moun yo itilize tan sa ou nan fason yo itilize la pou mèm ou ka itilize ou tou. E pi pou ka pale pi bien. D'akor? Cinquième temps présent qui existe en espagnol là, yo relé le presente con valor de futuro. Il veut dire présent ak valeur fiti. Des fois tout yo connaît le presente prospectivo, mais non yo pas vraiment important. C'est kon comment yo utiliser, c'est ça qui est important. Et ka comprendre comment utiliser pour ka utiliser tout, c'est ça bral lancer yo là. Temps ça, c'est un temps yo utiliser pour parler de fiti. Malgré ses présents lié, mais utiliser pour parler de fiti. Un fiti qui proche ou bien un fiti qui ne doit pas proche. Tant que par exemple, il y a une phrase latino ce qu'on dit. Cuando me vienes a visitar? Cuando me vienes a visitar? Tout temps des phrases ça, probablement soit laisser traduire ou après, il pas gain sens en créole. Tant que par exemple, on dit qui est ou vienne visiter? Non, il pas gain sens. C'est pour raison ça de traduire cuando me vienes a visitar? Tant que qui est ou vienne visiter? Qui est ou vienne visiter? Ça pas présent, ça c'est fiti. Et pourtant, en espagnol, sous besoin dit qui l'a vu visiter, ou qu'a dit de façon, ou qu'a dit soit peut-être dans le futur, ou qu'a dit dans le présent, qui c'est quand on me vient de sa visiter, qui l'a vu visiter. Gone gabil nan nou, c'est Saint Thomas, nous, faut nous tendre yon latino dit, phrase ça pour nous faire. Sinon, gabil nan nou là, qui ka répète en bas commenté, ou là, il dit, eh, menti! Parce que gabil nan nou, qui kon dit, m'a bay menti des fois. Même sur certains et grand pile latino qui a regardé vidéo mieux depuis m'bay menti y a tout dit m'bay menti vous connaissez pas nous même seulement qui a regardé vidéo grand latino qui a regardé vidéo là qui parlait créole bien mentionnez ça pour monde qui vient doute et puis nous ca poser n'importe latino nous besoin en question pour demander quand on me vient ça visiter si phrase ça c'est pour phrase qui ont sens dans fiti et si on répond non oui nous met tourner vinn réabonner encore et puis partager vidéo avec l'autre haïtien qui connaît qui a pas connait pas l'espagnol. Sixième temps présent nous gagne en espagnol là pour finir. Yo le presente con valor de mandato. Son bagay on dit en bizarre. Ça latino ce qu'on fait avec latination c'est utiliser même temps présent normal là et puis pour passer l'ordre. Gen pile nan nous qui connaît bien et pour passer l'ordre en espagnol, yo pas utiliser temps présent. C'est mode impératif yo utiliser. Et bien quelques latinos avec latinas pour bon plaisir comme ça le bonjour dit nous-mêmes lang nay pa nou lié n'a fait ça n'blé avec n'a utilisé même temps présent et puis pour passer mon lord c'est quoi un grand que nous sommes assez mon ça un grand pile. OK, bon bon exemple tout te callas me escuchaste bien que mon qui connait la discussion avec mon qui connait dit ça si tout mesdames yo latina yo léon en discussion avec on est si tout te callas la boca me escuchaste dominicain yo ouais ça si n'a traduit en créole n'a dit ou ferme bouchou. Mais pourtant, il n'y a pas de sens. Parce que nous-mêmes, nous avons parlé en créole. Nous ne pouvons pas dire mon ou ferme bouchou. Non. On dit, ferme jolou là. C'est-à-dire, ferme bouchou. Tout est caillasse la boca. Ferme bouchou. Malgré la façon qui est normale là, c'est caillaté. Tout est caillasse la boca. Je dis, ferme bouchou. C'est tant qu'on l'ordre ou passe mon. Hey, ferme bouchou là. Pardon là, mais ça me l'explique, c'est que latino avec latination, on dit le défense, on dit si c'est présent, qui c'est présenté contre valeur de mandato, qui c'est présent avec valeur. Passer l'ordre, on dit ça, on te dit, puis bien avec impératif là. Bon, et tout ça me l'explique aujourd'hui, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo, si vous avez quelques questions, quittez-vous dans les commentaires là, si vous pouvez abonner, cliquez dans le petit bouton rouge là pour abonner, et puis pas oublier d'activer la cloche de notification pour YouTube, car toujours pour qu'on ait. Chaque lundi, publie une nouvelle vidéo. Et puis, partagez la vidéo à toi, avec un ami haïtien, compatriote, qui a appris à parler espagnol. Tout. Ok? Si vous partagez la vidéo sur Facebook, pas oublier d'identifier la donne. T'as vraiment aimé ça. Merci en pile parce que vous étiez jusqu'à la fin de la vidéo. Voyons, bois que la diplomatie pour moi, mon pile. Et puis, n'apprenez dans l'autre vidéo. Ciao!